Le pays de Liège est célèbre depuis 5 siècles par son industrie armurière. Rien d'étonnant que la grande cité Mosane possède un musée d'armes particulièrement riche, où l'on peut admirer notamment des collections retraçant l'histoire des armes à feu depuis la fin du XIVe siècle. À cette époque déjà, les canons à main montés à bois étaient fabriqués dans la région liégeoise. Au XVe siècle, le canon à mèche séparée et à longue queue de manœuvre en fer lui succédait. Le mousquet à mèche à platine et fourquine apparut au XVIe siècle, de même que l'arquebuse avec visière tunnel. Les fusils à silex furent fabriqués dans la première moitié du XVIIIe siècle. Les pistolets à silex présents de Napoléon à l'ambassadeur d'Autriche en 1813. Les fusils à piston datant de 1850 étaient décorés avec un soin particulier. Sans cesse, les perfectionnements des armes à feu étaient adoptés par les armuriers liégeois et toujours leur ornementation restait d'un goût très sûr, révélant la virtuosité des artisans. Témoin, ce revolver système Le Faucheux, exécuté par la firme Falloise en 1889. Et ses fusils à deux canons richement ciselés et damasquinés par Boussard en 1870. Jadis, les armuriers travaillaient à domicile. Pour la fabrication des armes de luxe, cette tradition subsiste encore. C'est à la naissance du fusil de chasse que vous êtes conviés. Nous voici à Liège, chez un canonnier. Ici, la culasse prend forme par système de refoulage et le canon se forge. Une fois forgé, le canon est foré par cette machine imposante. À divers stades de la fabrication, les canons subissent un nouveau reforage. Le polissage intérieur est obtenu grâce aux baguettes de bois accompagnant la mèche. Ce travail terminé, une grosse meule polie extérieurement le canon. Plusieurs fois, il doit être redressé, tâche fort délicate. Le garnisseur est l'artisan qui assemble les deux canons du fusil et place les crochets en les soudant au cuivre ou à l'étain. Les pièces, solidement ligaturées, sont garnies de borax et chauffées dans un four. Une fois l'ensemble porté au rouge, la soudure est impeccablement réalisée et les canons sont prêts à être traités par le reforeur qui leur fait subir un premier alésage. La chaleur que dégage un four est généralement intense. Aussi est-il plus prudent de se protéger.
leur sortie, les clous qui calaient les différentes pièces sont enlevés, puis les ligatures. La bascule est la partie du fusil qui assure la fermeture de la culasse. Cette pièce est travaillée par un artisan toujours très absorbé. C'est dans ce foyer que le basculeur, puisqu'il faut l'appeler par son nom, prépare les bascules sur lesquelles son talent va s'exercer. Le noir de fumée lui permet de repérer avec exactitude les points de frottement. Le basculeur met au point tous les accessoires tels que le tire-cartouche, le crochet de la charnière. Il trace aussi le centre de la table. Grâce au basculeur, le fusil deviendra le jouet impeccable qui fera rêver les disciples de Diane. Après être passé chez le platineur, le relimeur, le finisseur, l'entailleur et le basculeur, l'arme échoue chez le monteur à bois. En un lieu aussi agréable, on ne peut fournir que du beau travail. Partant d'une pièce de bois brut, habituellement du noyer, cet artiste y creuse des cavités où viendront se loger le canon et le mécanisme de mise à feu. Puis il façonne l'extérieur de la crosse et de la longuesse. Il détermine ensuite les endroits de frottement où le bois doit encore être creusé. Pour ce travail, le monteur à bois utilise de nombreux outils de sa fabrication, gouges et ciseaux de formes très diverses. Travail de précision, car aucun vide ne doit apparaître entre bois et métal. Le canard exprime sa joie de vivre. Et avant d'être chassé par l'homme, il pourchasse le chien. Toujours autant de prix, se dit-il. Mais revenons à notre crosse qui, entre-temps, a été bisée au papier de verre. Elle est presque achevée. Ainsi, cette pièce de bois spécialement choisie d'un coût très élevé revêt son aspect le plus riche.
Le fusil passe alors entre les mains de l'équipeur, du chambreur et du repasseur en blanc ou marcheur. Il arrive ainsi chez le polisseur. Et ici, le polissage débascule. Le fusil passera encore entre les mains du relimeur, du ponceur, du quadrilleur, du guillocheur et du polisseur à la main. Il arrivera enfin chez le graveur, ou le ciseleur si vous préférez. Artiste au travail fin et délicat. Grâce à son habileté, il ornera la bascule et les platines d'ensembles floraux ou de scènes de chasse. Nous sommes chez un des meilleurs graveurs liégeois. Par décalque, en se servant de craie, il détermine les points de départ du travail au burin. Utilisant un petit marteau, il va progressivement tracer les multiples traits qui constitueront une véritable œuvre d'art. Le labeur donne soif. Qu'à cela ne tienne, il n'y a qu'à tendre la main, la cafetière n'est pas loin. Les burins doivent être particulièrement tranchants. Aussi fréquemment, le graveur doit-il les aiguiser. Le résultat final dépend en effet de l'état de l'outil employé. Et tout cela se passe dans l'ambiance familiale. Madame quelquefois se plaint d'avoir constamment monsieur dans les pieds, mais s'il fallait écouter les femmes... Il existe une autre manière de travailler. La gravure se fait alors au moyen d'un outil tenu d'une seule main et appelé échoppe. Et voilà le résultat. Dans une impasse située au centre de Liège, au fond d'un jardin, un atelier rudimentaire. C'est celui d'un bronzeur, artisan qui va provoquer par oxydation progressive la coloration noire ou brune des canons de fusil. Le bronzeur commence par enduire de craie les canons pour les dégraisser. Puis il les passe à la carde, sur laquelle ils seront polis à différentes reprises, après avoir subi un traitement à chaud. Des canons bronzés à côté de canons bruts.
on peut fabriquer des fusils et n'en aimer pas moins les oiseaux. Les pièces intérieures et certains accessoires sont bleuis, travail qui se fait à chaud grâce à l'huile de corne de cerf. Certains fabricants d'armes, dans un but d'économie, ont réuni en un seul atelier plusieurs spécialistes. Sans doute, certaines opérations ne peuvent être réalisées ici, mais nombre de déplacements se trouveront par cette centralisation supprimés. Voici le marcheur ou repasseur en blanc qui, par toute une série d'opérations minutieuses, rhabille le fusil. Il procède en somme à un réglage complet du basculage, du mécanisme à percussion et autres pièces importantes. Le relimeur met au point la crosse et la polie au papier de verre. L'œil du maître. Un nouveau fusil naît. Un monteur à bois façonne une crosse. Pour l'entailleur, une devise. Pas de métal inutile. Ultime vérification du contremaître avant de quitter ces lieux. Héritier d'une longue tradition plusieurs fois séculaire, les armuriers liégeois, artistes véritables, continuent à créer des armes de chasse. Ces fusils luxueux portent au loin le renom d'une industrie toujours florissante. De par le monde, les connaisseurs ne se lassent d'admirer ces œuvres de l'art belge.